Allez, c'est parti, salut tout le monde, bienvenue dans la nouvelle vidéo Cube Team, une nouvelle vidéo donc avec, vous l'aurez deviné, la thématique. On commence un petit peu à vous centrer les choses sur Noël. Le Winterfest donc a bien démarré. Vous avez vu qu'on peut directement se récupérer pas mal de petites récompenses quand même, avec à la clé deux skins sympas et puis le neigeonnaire que je trouve plutôt cool. Juste avant de démarrer les deux games de la vidéo, on vous indique les avant-postes du neigeonnaire. En fait, vous pourrez trouver des statues de casse-noisette à casser directement. Et puis aussi valider donc les quêtes franchement les plus basiques hein, pour trouver les premiers objets. Et puis en deuxième partie de vidéo, vous retrouverez une ancienne vidéo qu'on n'avait pas postée et qui pourrait avoir une fin plutôt cool. Surtout qu'on est, rappelez-vous, des grosses brelles. Je joue pour l'instant, ouais. Si, il est là. Yes, et yes. Eh ben, feu pour l'avion, on y croit avec notre petit skin de... Je peux monter dessus. Oh là là, alors Conrad, qu'est-ce que tu pilotes bien. Je te tire sur la tête ou pas? Eh hey. Yes. C'est parti. Atterrissage magnifique. On peut le tenter en avion. Ça se tente, il y en a un juste devant nous. Oh, ce lag. C'est parti. Je danse pour vous. Oh la main. Ouais, à mon avis, on n'est pas les seuls. Mais gros GG, mec. Viens là. Mais t'as lâché l'avion comme ça? Ah ouais, ouais. Viens la citerne. On se récupère l'avion. Pour Pleasant, ouais. On y va. Ouais. Là, oh. Le mec, c'est Fast and Furious. Oh, il est fou. Cet homme est fou. Yes, c'est par ici. Et bien, ça compte, ça y est. C'est un petit coffre, je dis pas non. Ça a été ouvert. Ouais, ça a été ouvert. Par contre, il y a une boîte de munitions. Et ça, je dis pas non. Comment j'ai pas derrière? Bah tiens, prends. Viens avec moi. Viens me tirer dessus, là. Je te vois pas. Aïe. Boum, un kill. Oh, mec, il est léger. Il a du léger. Ouais. On se le tente. Et go. Ouais, ça va, ça devrait passer, non? Ah putain, on va voir la réserve. Merde, réserve. Bon, écoutez, Francis, je dis que nous sommes presque au bout. On va se faire un petit... On y est, là. Ouais, je prends un peu d'altitude exprès, mais on devrait y être. C'est quoi, on peut finir en planeur, non? Moi, si je saute, j'ai le planeur, ou pas? Oui, t'as le planeur, toi. Ouais. Saute. C'est bon pour l'avant-poste. Celui-là, il a été fouillé aussi. Bon, du coup, j'avais pas suivi cette histoire du Nexus là. Tu vois bien les petites nouveautés, là, les espèces de trucs. C'était comme dans la saison précédente quand Iron Man allait préparer sa zone. Et il y a eu un gros téléporteur, une zone téléportée en fait, qui est venue écraser. C'était Frenzy, et en fait t'avais toute la zone d'Iron Man qui arrivait, et avant t'avais la même chose, donc on peut peut-être supposer que il va se passer un truc, enfin une téléportation d'une nouvelle partie de zone.
il nous faudra un petit snipe là. On va à la casse? Ouais, carrément. Après, on peut aller là. Hein. Ouais. Eh ben, dis donc, dans la même partie, 4 avant-postes, un lama. Ah, on est pas mal. On est pas mal. Tiens, il y a Pantin. Alors, Pantin, qu'est-ce qu'il a comme arme? Oh putain, il a le dédoubleur. Tu veux un pompe bleu? Attends, je me prends une arme exotique. Tu veux la stack la grosse peau ou pas? Oh, vas-y, amène-la. Oh putain, attends, on va sur. Non, je peux pas l'amener, j'ai déjà une arme exotique sur moi. Jette là, tu peux l'acheter sur moi. Approche-toi de moi. Tu peux pas, y'a ton pompe bleu là. Putain, mec, j'ai déjà un pompe exotique. Ah, mais tu voulais le. Ah, c'est pas grave, vas-y, go. Lego, c'est parti. Ça se tente. Il y a du coffre là. Je pêche. Je vais me la pêche. Ça me fait même plaisir. Allez, je prends la troisième course de soin. J'ai air légendaire. Oh, ça construit là-bas. Oh, un petit contre sur ta gueule. Ouais, j'avoue. J'ai vu. Ouais, ça se bat, ça se fight là-bas. Il y a un coffre juste devant. Je le tente. Il faut dans un snipe. Il y a encore de la. Il y a encore de la. Fouille. Tiens, je te passe la moitié ou quoi? Tu seras peut-être plus efficace que moi. Faut qu'on avance. Hein. Ouais, ça snipe. Allez. Go le coffre. Là, il y a un mec en bas. Oui, j'ai du matériau, si tu veux. Attention, planque-toi. Gaffe, il a un snipe, hein. Tiens, prends. Il snipe. Ah, c'est la teuf. Touché. T'as jugé. Par contre, il y a un snipe sur la gauche. C'est tendu. Ouais, je le vois. Oh putain, il m'a défoncé. Je le savais en plus. Je me suis mis en bas de la grosse structure. Ouh, j'ai un mec avec moi. Il y a un mec avec moi surtout. Putain, il m'explose. Oh, je l'ai mis. C'était obligé, je crois que je l'ai loupé. Ouais, c'était bien joué. Il y a un gars là, il y a un gars qui t'a tué. Ouais, il y en a un troisième. Ah, il y en a un troisième. Ils sont deux. Non, je pense qu'il y en a un qui la joue. Il y en a un qui fait pas trop le fier. Ah merde. Ouais, il y en a un de moins. Le snipe il l'a fumé. Tout le monde est seul. Ça devient un battle royale. Maintenant ils sont deux les gars. Là-haut? Ouais, je crois. Putain, j'avais pas capté. Bon chance. Wow, GG. Ouais, ça va être serré, ça va être très serré. Ah non! Oui, il s'est mangé un 33. Dégâts de chute. Ça s'est bien joué, ça. Encore un coup de pompe. Un coup de pompe et c'est fini. Tu sais que je suis en train d'y croire, là. T'as plus qu'à achever le dernier.
Oh mec! Putain! Ah, mais ouais, non, ils sont en train de se préparer à la bataille, les deux autres là. Attends, tu sais quoi? Je vais récupérer. Ah, depuis 3 jours, il y a ça. Et ouais, c'est ça, on est deux contre un. Non, deux contre. Y en a un qui. Ouh! Ouais, tu sais quoi, je pense ça, on s'en fout. Il y a un Oscar et tout, il y a plein de trucs. Ça se fight là-bas. Attends, moi, attends, putain, mais t'es monté comme. Là, on va être sur la hauteur du coup. T'es une putain de flèche, toi. T'es allé trop vite. J'ai pas compris, quoi. Non, c'est bon, c'est bon. Ça grimpe, ça grimpe. Il est où? C'est ici. Fais gaffe qu'il monte pas, fais gaffe qu'il monte pas. Ils sont en bas, ils vont nous prendre de l'intérieur. Viens vers le centre. On est en plein dedans. Ouais. Mettez-vous dans la zone, les gars. On est dedans là, moi je suis dedans déjà. On essaie de focuser même en fait à construire. Bah, dès que t'envoies un, tu me dis le lieu et c'est parti quoi. Là, de toute façon, ils vont pas avoir. Ils vont devoir avancer au milieu de l'arène. À moins qu'ils soient dans les sous-sols. Ils ont failli ça, c'est de quelque part en dessous de moi qui est financé en dessous de moi. C'est en dessous de moi. Il y a un mec qui bah, j'entends. C'est juste en dessous de moi. Ouais. Là il s'est sorti, il sort la tête, il fait gaffe, il snipe. Et alors toi, c'est beau. Oh, montre. Attends, il est en face de moi. C'est tout seul. Oh putain, foiré. Merde, c'est moi qui tire. C'est pas grave. Ils vont être coincés. Moi aussi, je suis coincé en fait, c'est ça le truc. Putain, Vince. Ils vont prendre la zone. On se prend à moins 10 dans là. Il y avait de l'or là. Un KO. Derrière. Ouais, j'ai entendu aussi, mais je les vois pas. Il doit être en dessous. Fais gaffe qu'il reste pas son pote. Ah, il est là, c'est mort. On devrait passer, Vince. Ah, il est dans le sable. Ah, il se cache, le bâtard. Oh. Ah, tu tires dans le sable avec la roquette. Ouais, tu sais, tu passes pas à côté. En dessous, il doit être en dessous. La structure. J'entends. Ah, il est sous là. Il est ici. Il est là. Bien joué. Yeah. Et c'est top 1. Allez. On est chaud. Oh putain, c'était pas trop mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Voilà, nous, ça nous motive. Et puis, on continuera d'en faire pour la peine, histoire de vous montrer que la loose n'a pas de limite.